une production TV. Nous l'autre fois encore, toujours dans Ans Rouge, tout près ville Ans Rouge. Nous dans 6 serons côté nous pour faire chita parler avec un pasteur qui va le présenter et ben nous plus explications sur production celle-là. Bonjour pasteur. Bonjour. Moi c'est David Duffel. Moi son producteur celle Ans Rouge. Oui. Ok, comment les fêtes au carré marqué toute zone ça c'est saline, le marais salin. Pour me l'arriver faire sel, ils ont fouillé un espace, ils ont fouillé. Et puis, ils ont fouillé espace là, ils ont fouillé lui. Et puis, ils ont mis de l'eau là-dedans, alors ils font un canal qui sautait dans la mer, et puis ils ont mis de l'eau là-dedans. Nous allons mesurer de l'eau. Malheureusement, pas gagné, mais il faut mesurer la quantité de l'eau. Mais quand même, par rapport à l'expérience, on est tout à fait de l'eau. L'eau, ça a une baille là. Et puis, vent, soleil là, l'air permettent que l'eau lui batte jusqu'à ce qu'il commence à préparer pour le donner pour faire sel. Pour faire sel. Alors, les gens ont besoin de connaître si c'est là bon, qui ça a fait. Nous venons tester celle-là. Nous avons massé celle-là. Nous descendons dans le bassin. Nous prenons un petit poignet. Nous pesons dans le même. Et puis, celle-là a dû. Les quimbés. Et puis, celle-là bon pour amasser. Combien de jours il prend pour lui donner celle-là? Bon, ça dépend de côté tout celle-là. Hier. Parce que si tout celle-là, non côté qui a une source, si tu dois entrer de temps en temps là dans lui, il permet que les caprons prennent une longue durée. Mais il y a un bassin qui prend 15 jours, il y a un qui prend 22 jours, il y a un qui prend 3 mois, il y a un qui prend même 6 mois. Ça dépend de la position du bassin. Pas une petite explication, expliquez-nous. Et qui difficulté nous rencontrer dans Ans Rouge, dans la question celle-là? Bon, nous rencontrer un peu de difficultés pour récolter celle-là. Parce que faire celle Ans Rouge, ça coûte un peu. Et ça m'a demandé patience. Ça m'a demandé résignation. Difficulté 1, pour arriver à fouiller un bassin comme ça, on a demandé 6 000 $. Et comme ça, on a fait un investi comme ça. L'on a avancé, on a gagné un peu comme ça pour faire une fouille. Il faut avoir l'autre comme encore. Il faut avoir un encadrement. Il faut avoir un moyen, finance pour faire des choses. Parce que ça coûte un peu. Depuis qu'on fouille celle-là, on a ramassé celle-là, et puis pour lever l'encore, pour mettre dans le dépôt. Et si on n'a pas de dépôt, celle-là facile pour le perdre, parce que l'air a pu tomber, elle vient sale. Pas de moyen vraiment de mettre dans le plus bon côté. Ok, pasteur, dis-nous encore. Et nous avons parlé de difficultés, nous venons dans celle-là. Économiquement parlant, est-ce que c'est rentable? Le business celle-là, est-ce que c'est rentable dans Ans Rouge? Oui, c'est rentable. Parce que ni producteur celle-là, ni ramasser yo, yo disons ça c'est Miami. Mais pour elle plus gain rentabilité, faut gain moyen financier. Donc pas gain quoi pas capable ça. Parce que grand pile tout seul qui bouché. Depuis cyclone Anna, Jeanne, pouvait Mathieu. Yo bouché parce que Mathieu producteur pas gain moyen pour vraiment retirer la boule là-dedans. Comme on a constaté l'autre bord dans zone ça. Et puis, ils ont assez au pot de la bon malheureux, qui ont regardé comment il est arrivé très là-bas. Mais pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité de faire travailler ça. Il n'y a pas de possibilité pour payer le monde. Pour payer le monde, pour payer le monde pour être là-bas pour lui-même. Il n'y a pas de possibilité ça. Parce que écoutez, ça, seulement ouais, tout petit là, il a commandé 5 000 $ ou bien 6 000 $. Tout en la vie à venir plus cher, c'est tout en producteur cellulaire qui a dépensé plus comme. Ok, producteur cellulaire, c'est pas eux-mêmes qui travaillent spécialement dans le bassin? Non. Producteur cellulaire pas travaille d'une façon spéciale. C'est monde qui sortit soit dans Boucans Rouge, monde qui sortit dans la section, des sections, on se gagne deux sections. C'est monde qui sortit Plaisance, Limbé, dans la zone nord. Qui vient travailler dans Ans Rouge. Si tu allé dans la zone Bacadeyo, Tête B, n'est-ce pas? Grand pile monde qui sortit dans le bloc ça, qui vient travailler dans Ans Rouge.
Pour conclure, pasteur, est-ce que tu as l'autre monde qui sort dans l'autre département pour venir acheter celle-là dans Ansouge? Ah oui, il y a plusieurs sorti dans plusieurs départements différents. Tel que gain sorti dans Nord-Ouest, n'est-ce pas vrai, au passé par Atrel pour aller Port de Paix, Beauchamp, etc. Il y a sorti au Cap Haïtien, Plaisance, Limbé, et puis il y a sorti Port-au-Prince. Gen soti Jérémy, yo passe par un bateau, etc. Plusieurs côtés ont sauté dans le département pour venir acheter celle dans Ansouge. Reportage la caille pour l'introduction dit merci, pasteur, parce que tu as accepté.